Bonjour, bienvenue sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Donc aujourd'hui nous allons découvrir l'Acanthus mollis ou l'Acanthe à feuilles molles ou encore casque de Jupiter. Donc regardez ces beaux dessins de feuilles. Donc autrefois ça servait hein, pour orner, les sculpteurs se servaient de la forme des feuilles en fait pour orner les temples il y a très 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 longtemps. Ça c'est une petite aparté. Donc vous voyez en fait ces longues hampes florales qui monte jusqu'à 1,50 m à 2 mètres. Donc un sol sec, si vous estimez qu'il est un peu trop argileux, n'hésitez pas à mettre du sable au moment de la plantation. Vous plantez à peu près tous les 80 cm à 1 mètre. C'est une plante donc plus de climat doux sur les bords méditerranéens, mais on commence à aller voir se plaire dans la région autour de Tours. Ça supporte très bien le climat aussi normand à partir du moment où on fait attention à l'excès d'eau. Alors autant que au niveau des climats doux, le feuillage va pouvoir rester persistant, autant que si je parle de la Normandie, normalement vous ne verrez plus le feuillage, l'hiver il va s'éteindre et il repartira de plus belle au printemps. La floraison, elle se passe de juin à juillet, août, si elle ne manque pas d'eau. Car même si c'est une plante qui adore le sol léger et drainant, elle a tout de même besoin d'eau si on avait une sécheresse assez prolongée. Donc je vous rappelle que c'est l'Acanthus mollis. Ma chaîne s'appelle 2 minutes au jardin. Alors vous pourrez découvrir d'autres vidéos dessus. Des astuces aussi sur la plantation, paillage et autres. Arrosage. Vous avez le droit de liker, vous avez le droit de vous abonner. Et aussi, où il y a une petite cloche en bas à droite. Vous aurez le droit, ça vous permettra en fait de savoir le jour où je ressors une nouvelle vidéo. Voilà, à bientôt.